On le baptise le sport roi. L'histoire du football moderne s'étend sur un peu plus d'un siècle. Mais il y a 4000 ans déjà, au Japon et en Chine, des groupes d'hommes jouaient autour d'une boule en cuir. Les Grecs et les Romains, eux aussi, pratiquaient un jeu de ballon où l'utilisation des pieds et des mains était autorisée. Ce n'est qu'en 1863 que les représentants des clubs se réunissent et harmonisent les règles du jeu. Ils formèrent aussi la première association de football. Grands voyageurs, les Anglais ont créé des clubs partout où leurs affaires les menaient. En Europe bien sûr, mais aussi en Amérique latine ou encore en Afrique. Avec la colonisation, le football atteignit tous les pays d'Afrique, y compris la région des Grands Lacs. À partir du XXe siècle, le football est le sport le plus connu de tous. Les enfants, dès leur jeune âge, se choisissent des idoles parmi les joueurs, portent leur nom ou les imitent. J'aimerais devenir comme Drogba. Moi j'aime Kambele Mbele, Santa et Cloris. J'aimerais devenir un grand joueur comme Jeannot. J'aimerais jouer comme Nonda. Kabanga tuite, Mbuyu tuite, Bogota Rabam. Moi j'aime Ndori Jean-Claude. Il porte le numéro 1. Il est gardien, il arrête bien les buts. Moi j'aime Jimmy Gatete. Parmi les grandes figures du football, tout le monde se rappelle de Ronaldinho, de Zidane, de Canu, de Thierry Henry, et pourquoi pas des Jimmy Gatete, Nanda ou les jumeaux Twitter. En 1990, le Camerounais Roger Milla a amené son équipe jusqu'en quart de finale de la Coupe du Monde de football. À cette occasion, le monde entier a appris que les frontières géographiques et économiques tombent quand on parle de sport. L'Afrique n'était plus qu'un grand pays, on était tous unis derrière le Cameroun, on voulait la victoire. Tout est bon pour faire un ballon. Quand ils ne disposent pas d'un vrai, les enfants s'en confectionnent eux-mêmes. Ils commencent à jouer encore très jeunes et partout, que ce soit dans la neige, dans la poussière, que ce soit dans les camps de déplacés, dans les camps de démobilisés, derrière la maison ou à l'école, toute occasion est à prendre. Même dans les endroits les plus invraisemblables, comme dans le maquis, les enfants créent des occasions pour jouer. Dans l'avant-midi, nous les Kadogo, les enfants soldats, nous avions beaucoup de travaux à faire. C'est dans les heures de l'après-midi, après la sieste du commandant, qu'on nous accordait quelques minutes pour aller jouer au football. Les jeux favorisent au bon fonctionnement psychologique et physique de l'enfant. C'est aussi une occasion de s'épanouir. Cela apprend la discipline et une âme saine se développe dans un corps sain. Le football n'a pas de frontières. Pour les joueurs, l'équipe, c'est leur famille. En effet, quand un joueur marque un but ici, il est considéré comme un Rwandais, parce que c'est l'honneur du Rwanda qu'il défend. Je joue trois ans de coupe, deux ans ici. Mais c'est bien ici, après c'est bien. J'ai joué dans la Virunga. Après Virunga, je suis allé faire un test en Belgique pendant 6 mois et puis je suis revenu ici au Rwanda. C'est pour cela que je me retrouve ici au Rwanda. Je continue ma carrière ici au Rwanda. Il y a le manager qui est là-bas, Lubumbashi, il a vu, il nous appelle ici, on est venu ici pour jouer. Et je te sens calmement, nous sommes bien, même de beaucoup de problèmes, mais nous sommes calmes. Raoul Choum, originaire de la République démocratique du Congo, est l'entraîneur principal de l'équipe Rayon Sport. Il est dans le football rwandais depuis une vingtaine d'années. Les initiales de mon nom correspondent exactement avec les initiales de Rayon Sport. Je voulais dire que, par exemple, si on parle de Rayon Sport, on parle de Raoul. Si on parle de sport, on parle de Choum. Vous voyez les premières lettres, ça correspond. Et c'est, les gens disent que c'est à cause de cela que je suis trop attaché à cette équipe. Mais c'est une équipe que j'aime bien. J'aime les gens qui composent l'équipe, les fanatiques, les joueurs. Quand je suis dans cette équipe, je me sens vraiment comme je suis chez moi à la maison. On est une grande famille. On peut avoir des disputes, des querelles, et on parvient toujours par résoudre nos problèmes ensemble. Cela constitue une famille que je dirais que c'est difficile à...